Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnétude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et je vous invite tout d'abord à aller aimer, liker, partager, vous abonner à notre balado. Si vous nous écoutez via YouTube, c'est possible de cliquer sur la petite clochette et vous abonner à notre page afin de recevoir des notifications à chaque nouvel épisode. Si vous nous écoutez via votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Google Podcast, Spotify, iHeartRadio ou même Apple, c'est possible également de vous abonner à la page. Ainsi, vous allez recevoir vous aussi des notifications lors de nouveaux épisodes. Vous le savez, plus c'est commenté, plus vous mettez aussi des petites étoiles dans les moteurs de recherche, dans les plateformes d'écoute, ça nous permet d'être mieux référencés et d'être vus davantage. C'est un projet qui est gratuit. On voudrait que ça demeure comme ça. Donc, n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle, d'autant plus si vous nous écoutez et vous appréciez le contenu. Cette semaine, j'avais des questions concernant quelque chose qui me turlupine, qui me questionne vraiment au quotidien, soit comment nous, comme parents, on peut agir en tant que modèle envers nos tout-petits en ce qui a trait à l'image corporelle. Bien des parents souhaitent que les enfants développent une relation dite saine avec la nourriture, hein, qu'ils mangent de façon intuitive, qu'ils ne soient pas influencés par la culture des régimes. Mais nous, comme parents, comment on est avec eux dans le quotidien? Comment on agit réellement? Hein? Parce qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, les enfants vont davantage remarquer ce que l'on fait. Alors, est-ce qu'on mange le même repas que les enfants? Est-ce qu'on calcule ce qu'on mange? Est-ce qu'on a un pèse-personne? Comment on a amené cette question-là? Si les enfants nous l'ont posé dans notre famille, eh bien, c'est ce que j'ai voulu savoir et ça fait partie des réflexions que j'ai aujourd'hui avec deux professionnels que j'aime beaucoup, soit Andréanne Dufour-Bouchard, qui est nutritionniste et également chef de projet chez Équilibre, Équilibre qui fait la promotion de la diversité corporelle, également Mélanie Magnan, alias Nutrimini, une autre nutritionniste que vous aimez beaucoup. Et dans le segment coup de cœur, j'ai voulu aller un peu plus loin en m'entretenant avec l'autrice, également la fondatrice de l'école de danse Toupie Dance, soit Josée Drouin. Josée, elle côtoie les enfants depuis plus de 30 ans et elle dit qu'elle s'inspire de leur vitalité, de leur dynamisme. Eux, ils osent, ils essaient, ils foncent et ça fait de leur quotidien qu'il est très pétillant. Mais comment pour une famille parler du quotidien avec les mêmes mots, être sur la même longueur d'onde? Eh bien, pour faire ça, elle vient d'écrire son tout premier livre qui s'appelle « Rêve ta vie ». Ose, un livre qui est destiné aux enfants dès l'âge de 7-8 ans avec un accompagnement parental, mais qui, honnêtement, va nous amener de bons exercices, de bonnes pistes de réflexion à nous, les adultes, encore là, pour être de bons modèles pour nos enfants. Est-ce que nous, on est vraiment heureux dans notre quotidien? Est-ce qu'on est à l'aise à oser, à vraiment rêver notre vie? Eh bien, ce sont des questions que je vais aborder avec Josée Drouin dans le segment coup de cœur, manquez pas ça, parce que vous le savez, hein, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui n'est pas facile. Comment nous, notre relation en tant que parents, je sais qu'on est des femmes autour de la table, j'aurais aimé ça avoir un homme, ça n'a pas à donner, mais comment notre relation comme parents envers notre propre corps peut avoir un impact sur nos enfants? Et là, j'aurais tendance à dire nos enfants, peu importe leur âge. Ma première question, pourquoi selon vous, là, vous êtes des spécialistes dans votre domaine, on parle encore autant d'image et de poids en 2022? Il me semble que ça fait déjà plusieurs années qu'on entend parler de bon, la culture des régimes, qui, tu sais, il faut aller ailleurs, on n'est plus là-dedans, alimentation intuitive, être bien avec notre corps. Mais malgré tout, là, ça demeure un sujet, j'allais dire, quotidien. Je suis sûre que tu vas me compléter, tu vas avoir plus de réponses que moi. Mais moi, ce qui me vient en tête, mettons, là, ma réponse la plus populaire serait parce que, tu sais, il y a tellement
de sous rattachés au marketing, de la culture des diètes, que c'est encore omniprésent. Fait que c'est là, puis que le changement va être super long. Puis je suis déjà juste contente qu'il y ait un changement de société qui s'amorce tranquillement, mais je pense que ça va prendre très longtemps avant qu'on revire le bateau de bord complètement. Complètement, hein? C'est vrai, c'est pas fou, là, toute la culture de l'image, de la beauté, des corps qui entrent dans le moule, si je puis dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ça. Le maquillage aussi, ouais. Même pour les hommes aussi, il y a toute l'industrie autour de ça qui est très lucrative, je suis bien d'accord avec toi. Puis tous les préjugés aussi, la grossophobie, tous les préjugés à l'égard du poids, ça fait que on veut pas non plus se mettre à subir des préjugés ou on veut pas que notre enfant se fasse intimider, on veut pas souffrir. Donc ça aussi, on dirait que ça met beaucoup de pression pour être mince. Puis il y a comme plein de facteurs dans notre société, dans nos valeurs de société qui nous rappellent, entre guillemets, je suis pas d'accord, mais que c'est mieux d'être mince. C'est comme si cette pression-là est toujours là parce qu'on nous présente toujours un modèle qui est assez unique, de minceur ou de beauté, très mince pour les femmes, plus musclé pour les hommes. Il y a encore beaucoup de discours médical qui associent la minceur à la santé. Alors qu'on sait maintenant qu'il y a toutes sortes de nuances puis que c'est pas vrai nécessairement. Oui. C'est vraiment pas aussi simple que ça, certainement. Tous les réseaux sociaux encore là, où est-ce qu'il y a les filtres, les images de perfection qui nous sont toujours présentées, l'industrie de la mode aussi qui fait des vêtements souvent plus pour certains types de tailles. Oui. Donc, il y a beaucoup de facteurs au quotidien comme ça qui nous mettent de la pression puis qui nous influencent, nous, qui influencent notre entourage, qui influencent la société dans laquelle notre enfant vit, puis qui finalement fait en sorte que lui aussi, indirectement, il va finir par ressentir cette pression-là. Puis effectivement, c'est un changement de société. Il y a de plus en plus de diversité corporelle qui est présentée. Fait que ça, c'est vraiment super. Les initiatives grossophobes, on voit que souvent, ça passe plus, c'est dénoncé. Donc, il y a un pas dans la bonne direction qui est en train de se faire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. Ça va amener les enfants à s'identifier autrement aussi que la fameuse, puis là, veux pas, ça nous vient en tête de la poupée Barbie, entre autres. Mais je voyais dernièrement aussi d'autres poupées avec des formes différentes. Mais à quand, selon vous, est-ce qu'on pourrait y arriver un jour à ce que le poids devienne sans commentaire comme la couleur de la peau, comme la couleur des cheveux, comme peu importe? Pensez-vous qu'on va finir par y arriver? Bien, je pense qu'on est dans une ère où toute la diversité en général est de plus en plus valorisée puis importante. Célébrée. Puis après ça, il y a la réalité. Je pense qu'on est dans une société où l'apparence est assez importante, donc je pense pas qu'on puisse arriver à jamais se soucier de l'apparence, mais encore là, il faut voir à quel point ça nous obsède ou ça prend beaucoup de place dans nos préoccupations. C'est correct de vouloir s'organiser un petit peu pour se sentir bien puis sentir beau ou belle quand on va quelque part ou bien d'avoir envie peau, de s'habiller et de prendre soin de nous, mais encore là, quand le matin jusqu'au soir, ça obsède toutes nos pensées, c'est là que c'est un peu problématique. Puis le problème, c'est que ça touche beaucoup de gens là, chez Équilibre. J'ai quelques petites statistiques à vous donner, mais on a fait un sondage avec la firme Léger auprès de 1800 quelques Québécois et Québécoises l'année dernière pour voir un peu la relation qu'ils entretiennent avec leur corps, l'alimentation, l'activité physique, puis un peu l'impact de la pandémie. Ça, faut pas l'oublier aussi. Hein. On a été deux ans dans un contexte particulier qui a beaucoup affecté, encore une fois, toute l'image corporelle, la relation avec la nourriture, l'activité physique et tout ça. Mais dans le fond, on voyait que 56 % des hommes et 72 % des femmes souhaitent maigrir, peu importe leur poids. Donc, c'est quelque chose qui touche beaucoup les femmes, qui touche aussi les hommes. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu jamais satisfait, finalement? Comme on dit, peu importe le poids, donc ça veut dire que c'est pas... c'est pas catégorisé. Donc, finalement, peu importe le poids qu'on pèse, si on n'est pas bien à l'intérieur de nous, ça sera comme jamais assez. Exact. On dirait que ça finit jamais. Puis, on avait une autre question. J'ai pas le chiffre avec moi, mais il y a une grande proportion de gens, quand même, qui disaient que si l'argent, c'était pas un problème, il y aurait recours à la chirurgie esthétique. Donc, c'est comme si, à un moment donné, même le poids sur la balance, c'est plus assez, puis ça finira jamais. Mais on dirait que je trouve que c'est un des arguments convaincants, c'est que ça prend tellement de place, puis on n'arrivera jamais, je pense, à se satisfaire totalement parce que nos critères puis nos attentes sont tellement irréalistes qu'il faut comme un peu revenir à un moment donné à lâcher prise sur certains critères, certaines règles. Puis ce qui est problématique aussi, c'est qu'on voyait dans les statistiques que 32 % des hommes et 57 % des femmes sont malheureux à cause de leur poids. 25 % des hommes et 48 % des femmes affirment que le contrôle du poids domine leur vie. Donc, un homme sur cinq, presque une femme sur deux, domine la vie. Là. Ça veut dire que là, ça devient important. Puis ça veut dire le choix de tout ce qu'on mange, même des activités qu'on fait. T'sais, j'imagine, si t'es toujours au régime, tu dis, bon, ben là, je pourrais pas aller au restaurant parce que là, je veux pas être tentée ou je veux pas manger ça. T'sais, quoi de plus fun qu'un verre de vin avec des amis? Là, je veux dire, mais si tu calcules tes calories, ben là, il va falloir que tu manges moins de midi. C'est des chiffres frappants. Oui, c'est des chiffres très, très inquiétants. Puis ça contribue, je pense, à faire en sorte qu'il faut qu'on agisse là-dessus comme société.
société. Là. Puis t'en parlais tantôt, tu sais, quand ça prend toute la place dans notre tête, tu sais, c'est là qu'il y a un problème aussi, puis qu'il faut essayer de faire quelque chose, tu sais. Puis on peut pas, comme société, juste évacuer cette question-là, tu sais, quand ça domine notre vie, il faut qu'on travaille un peu là-dessus, puis qu'on essaye d'intervenir pour faire changer les choses, là. Mais on parle des fois beaucoup des mythes versus la réalité, mais moi, j'ai l'impression, au-delà du poids, souvent la minceur, puis ça, minceur, encore là, c'est relatif. Tu sais, je veux dire, moi, je peux regarder quelqu'un, juger qu'elle est mince, toi, tu peux la regarder, la même personne, juger autre chose. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup dans le jugement, mais minceur, poids, santé, appelez-le comme vous voulez, est associé, on dirait, au succès, au gagnant, au performant. C'est encore vrai en 2022. Ouais, puis c'est beaucoup quelque chose à déconstruire parce que encore là, c'est les valeurs qu'on a acquises comme société qui nous laissent croire que c'est mieux d'être mince, qu'on a du pouvoir, qu'on se prend en main. Là, je mets des gros guillemets, j'aime pas du tout cette expression-là. Moi, je me contrôle, je contrôle ce que je mange, je contrôle mon poids. Donc, c'est comme ça donnait quoi? Une supériorité. Puis ça, ben, je pense que ça vient beaucoup de préjugés. T'sais, on en a parlé aussi des préjugés tantôt, mais c'est encore beaucoup associé que le poids, c'est seulement une question de responsabilité individuelle puis de contrôle individuel, puis que dans le fond, c'est facile, on a juste à manger mieux, on a juste à bouger plus. Mm-hmm. Ou, t'sais, l'industrie qui fait tellement d'argent là-dessus veut nous laisser croire que c'est facile aussi parce qu'il y a de l'argent à faire. T'sais, si on y croit que c'est nous la raison de l'échec puis que la prochaine diète va marcher, ben on va le racheter, le produit. Bien, t'sais. Puis les régimes, c'est comme la seule industrie finalement qui fait de l'argent en vendant un produit qui est inefficace. T'sais, si on achetait une voiture puis que le moteur se brisait après 6 mois d'utilisation, personne ne se dirait « Oh mon Dieu, je conduis mal, j'ai encore brisé mon auto. » T'sais, on la rachèterait plus, cette auto-là. Mais les diètes, personne ne se dit vraiment ça. T'sais, tout le monde pense que c'est un peu de sa faute, que les gens ont manqué de volonté. Donc, il y a comme quelque chose à recadrer aussi par rapport à cette industrie des diètes-là parce que c'est ça, elle gagne à ce que les gens soient insatisfaits de leur apparence. Là. Ah, c'est fou quand même. C'est vrai, je t'avais jamais vu de ce point de vue-là. C'est à peu près la seule affaire que tu dépenses des sous à un livre ou peu importe. T'as pas de résultat, mais tu te mets encore la pression versus, c'est vrai, la voiture. Je veux dire, si le moteur brise, ah, ben moi, je rachèterai plus cette marque-là. Oui, on se questionnera pas à savoir si, quand on a fait le tournant au coin de la rue de je sais pas quoi, si c'est notre faute. Oh là là, c'est insidieux. Oui. Mais justement, si on essaie de briser certaines idées préconçues, tes chiffres le prouvent bien, je trouve. Les diètes, c'est pour les femmes. C'est pas vrai. Il y a quand même, quoi, un homme sur trois, à peu près, qui se disait insatisfait de son poids. Oui, un homme sur trois à peu près qui était malheureux à cause de son poids. Puis les hommes, eux, vont vouloir tendre à ressembler au modèle qui est un peu plus musclé, mais qui est quand même assez mince, puis qui est très... Il y a beaucoup de stéréotypes de genre aussi là-dedans. Oui, oui. Il y a toutes sortes de choses, là, mais oui, ça touche vraiment tout le monde. Et on le disait tantôt, les commentaires sur le poids, c'est non. Mais les gens vont souvent tendance à dire « mais moi, je l'ai félicité ». Mais les commentaires sur le poids, c'est non. Même si on se rend compte que, je sais pas, moi, notre ami, notre mère, notre sœur a maigri, on n'en parle pas. C'est non. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Donc, est-ce que, encore là, il faut déconstruire le fait que, ouais, mais c'est positif, je l'ai félicité là-dedans. Ou féliciter quelqu'un parce qu'on pense qu'elle est enceinte, finalement, elle ne l'est pas. Tu sais, je veux dire, ça peut amener beaucoup de malaise, tout ça, les commentaires. Puis on le sait que c'est difficile de perdre du poids, tu sais, mais souvent, ben les gens vont vouloir souligner justement l'effort de la personne qui a réussi à maigrir, puis la personne aussi est fière d'elle, alors va être quand même contente au premier abord, tu sais, d'un compliment, mais ça entretient toujours cette notion-là que c'est mieux d'être mince, tu sais, puis qu'avant, la personne, quand elle n'était pas mince, ben elle avait moins de valeur, ou peut-être que la personne en arrière qui va nous entendre féliciter la perte de poids de quelqu'un va se dire « Ah, oh, mon Dieu, il faut que je maigrisse moi aussi, tu sais. » Puis tantôt, j'ai commencé... Ça goûte bon, des félicitations. Oui, c'est ça, c'est sûr, puis... On est dans une société qui valorise la minceur, donc on sent un peu, tu sais, qu'on en fait partie de cette valorisation-là. Mais j'ai commencé à amener tantôt l'élément du contrôle du poids, tu sais. On n'a pas le contrôle sur notre poids autant qu'on voudrait, clairement, puis pas autant que ce qu'on nous laisse croire aussi, tu sais, parce que l'industrie dit « Mange moins de calories que ce que tu dépenses, tu vas maigrir, théoriquement. » Oui, oui. Mais il y a beaucoup de facteurs qui influencent notre poids sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle. Puis ça, on dirait qu'on ne le réalise pas non plus. T'sais, c'est pas assez dit, mais notre âge, notre génétique, le sexe, t'sais, si on prend certains médicaments qui influencent le poids, mais qu'on doit prendre pour notre santé physique, notre santé mentale, ça influence le poids, ça. La société dans laquelle on vit, si on vit dans un endroit où est-ce qu'on n'a pas beaucoup accès à une variété d'aliments, ou où est-ce qu'il faut toujours prendre l'auto pour se déplacer, ben ça influence indirectement
correctement, la façon dont on va manger, puis l'activité physique qu'on fait. Le repos, et, en tout exact, cas, il y a plein d'études qui disaient que le sommeil avait un impact aussi, la qualité de sommeil, l'anxiété. Oui, puis c'est pas facile de changer des habitudes non plus. T'sais, on a beau dire qu'on a un certain contrôle sur la façon dont on mange, la façon dont on bouge, ben c'est pas du jour au lendemain qu'on peut tout revoir notre mode de vie là, pour devenir des super athlètes ou des personnes qui mangent de façon parfaite. Puis ça aussi, c'est pas nécessairement associé à une santé mentale très positive non plus. T'sais. Donc, il faut s'enlever de la tête que c'est si facile que ça. Puis il y a une partie où on doit commencer un peu à accepter certaines parties de notre corps parce que sinon, on va se battre tout le temps puis on finira jamais d'être préoccupé. Puis c'est là qu'à un moment donné, il y a une partie où il faut un peu lâcher prise. Puis t'sais, l'acceptation, c'est souvent mal compris aussi. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, si on encourage les gens à s'accepter, ben ça les encourage à manger n'importe quoi, avoir, puis à être paresseux. » C'est ça, exact. Oh là là. Mais dans le fond, t'sais, quand on arrête de se détester, puis quand on commence à comprendre qu'on a de la valeur, ben on a pas mal plus envie de faire des choses qui vont être bien pour nous, puis pour prendre soin de nous, puis dans une optique de changements qui vont être plus graduels, plus à long terme. Parce que si on déteste notre corps ou qu'on veut absolument maigrir parce qu'on va dans le sud, puis là, il faut rentrer dans notre maillot, bien, on va faire des changements qui vont être de très courte durée, qui vont probablement venir nuire à la relation avec le corps, la nourriture, puis qu'on va abandonner après. Fait que finalement, pour notre santé, c'est vraiment pas bon non plus. Donc, tu sais, des fois, il y a une partie justement où il faut lâcher prise, mais s'accepter, ça ne veut pas dire non plus d'aimer parfaitement toutes les parties de notre corps à chaque jour. Il y a comme un mouvement qui est né à un moment donné de body positive pour justement valoriser les corps qui sont plus gros puis valoriser la diversité corporelle. Mais des fois, il y a des gens qui ne sont pas rendus là puis qui n'iront jamais là non plus puis qui peuvent juste vivre plus de neutralité par rapport à leur corps. T'sais, on parle beaucoup du mouvement de la neutralité corporelle, de juste justement reconnaître la fonctionnalité, de ne pas nécessairement chercher à avoir des émotions positives ou négatives par rapport à notre corps parce que ça peut être souffrant, mais juste de reconnaître que notre corps nous permet de vivre notre vie, de faire des voyages, de travailler, de nous réaliser, ben ça peut être juste ça aussi le premier palier, tu sais. Donc de prendre un pas de recul parce que on dirait si je prends l'exemple du sport, tu sais, faire du sport pour maigrir puis que ça t'emmerde, puis tu trouves ça lourd, puis tu trouves ça difficile. À la limite, comme tu dis, tu vas en faire peut-être un mois ou deux pour rentrer dans le maillot de bain pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Mais faire du sport parce que finalement, c'est du social. Tu fais du yoga, tu rencontres tes chums de filles, puis après ça, tu vas prendre un latte. Bouger parce qu'après, mon Dieu, qu'on se sent mieux. En tout cas, moi, ça me permet d'évacuer beaucoup, beaucoup d'anxiété. Mais là, juste la motivation, juste le regard que tu portes, c'est le même sport, là, c'est la même affaire. Mais l'idée, la motivation était tellement différente que la façon de l'accomplir devient différente. Vraiment. Puis c'est des motivations beaucoup plus intrinsèques. On parle beaucoup du plaisir tantôt de manger, le plaisir de bouger. C'est des motivations qui vont être beaucoup plus gagnantes à long terme aussi. Puis on parlait un peu de l'influence sur nos enfants, mais justement, nos enfants qui nous voient avoir du plaisir à aller bouger. On fait des activités en famille, on va prendre des marches en forêt parce qu'on aime ça, ou on va juste au parc en vélo parce que on aime ça se déplacer en plus en transport actif. Ouais. C'est toutes des manières aussi où on peut être des modèles, encore une fois, pour nos enfants. Puis essayer de les sortir de cette culture-là, tu sais, qui met beaucoup l'accent sur je mange et je bouge pour contrôler mon poids, alors que ça devrait être beaucoup pour justement, tu sais, le plaisir, le bien-être, la découverte. Donc, on peut être un modèle puis essayer de faire un peu contrepoids à puis, ça. Là. Au niveau nutritionnel, Mélanie, qu'est-ce qu'on fait si justement, nous, là, on est dans le contrôle puis on n'est pas prêt à en sortir? OK, je donne un exemple des pâtes alimentaires. Bon, on sait qu'elles ont parfois mauvaise presse. On fait du spaghetti pour nos enfants, puis nous, on mange du konjac, mettons, ou d'autres choses. On fait des hamburgers, on mange pas de pain, on met une belle feuille de lait dessus. Tu sais, on fait des choix comme ça, mais qui sont toujours différents de la famille. Est-ce que ça peut avoir un impact chez nos enfants? Ça risque d'avoir un gros impact parce qu'on est le modèle de nos enfants. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, il y a un risque que l'enfant reproduise les comportements. Fait que, tu sais, plutôt que de proposer une stratégie à adopter pour maintenir ce comportement-là, moi, je suggérerais vraiment d'aller consulter pour essayer de passer à autre chose. Et arrêter de démoniser, tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup avec la culture des diètes, là, le pas de pain, pas de pâte, pas de patates, là, les pains, c'était pas bon. Mais on vient justement dire que nos enfants, on veut qu'ils mangent de tout, on veut qu'ils goûtent de tout. Si nous, on se restreint dans certaines catégories d'aliments, est-ce que dans leur tête, ça pourrait implicitement associer que le pain, exemple, c'est pas bon? Bien, ça peut les amener à ressentir des sentiments de culpabilité en mangeant certains aliments, à penser qu'ils sont pas bons, justement. Tu sais, ça peut affecter leur estime de soi aussi. Ça peut aller loin. Tu sais, c'est comme...
tu nous demandais si, sans le vouloir, des fois, on pouvait mettre nos enfants au régime. Mais tout ouais. ça, tu sais, quand on vient à contrôler un petit peu les portions de notre enfant, restreindre des groupes d'aliments, négocier le dessert, limiter les aliments très sucrés. Mais ça, c'est toutes des petites applications un petit peu de la culture des diètes. Sans dire qu'on met notre enfant au régime, on s'en rend pas nécessairement non. compte. Mais tout ça, ça va marquer l'enfant à long terme, c'est sûr. C'est insidieux, hein, quand même, ça peut s'intégrer comme ça dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Avez-vous l'impression en 2022 encore, puis je sais que c'est une question genrée, mais qu'on va avoir tendance à surveiller plus ce que les petites filles mangent versus les petits garçons? Bien, je pense qu'il y a beaucoup d'importance qui est accordée, encore une fois, à l'apparence. Puis, tu sais, on le voyait quand même dans les statistiques pour les adultes. Tu sais, les femmes se démarquent un petit peu plus que les hommes dans les prévalences de préoccupations. Ouais. Puis, chez les enfants, on observe quand même, tu sais, une prévalence élevée de filles qui sont préoccupées par leur apparence, mais les jeunes garçons aussi, quand même, tendent à vouloir ressembler plus au modèle musclé. Donc, c'est un peu genré. Tu sais, peut-être qu'on va être plus inquiet d'une petite fille qui prendrait du poids que d'un petit garçon, mais j'ai l'impression que ça tend à disparaître, cette différence-là, puis qu'il faudrait finalement intervenir. C'est pas mieux non plus que ça disparaisse. Là, on veut pas que ni nos enfants garçons, ni nos enfants filles soient préoccupés par leur poids, mais ça reste que des fois, peut-être la société a encore des attentes par rapport à une femme, ce que ça doit être une femme, le corps d'une femme. Et des attentes même plus larges. Là, on parle du poids, mais ça vient jouer même dans le côté séduisante, confiance en elle, sexy. Mais c'est s'y mettre aussi énormément de pression. Là, la vie, elle va vite. On travaille beaucoup, on a des enfants, on veut correspondre aux standards. Je veux dire, à un moment donné, c'est notre santé mentale aussi qui va en souffrir. C'est ça, il ne faut pas oublier que la santé, ce n'est pas juste physique, là, c'est mental. Puis effectivement, quand ça devient à ce point-là, lourd, ben c'est juste que ça nous empêche de vivre notre vie, tu sais, de nous épanouir avec nos enfants, de manger des choses qu'on a envie de manger, de bouger pour le plaisir. Puis c'est là que, dans le fond, comme tu disais, tu sais, il faut aller chercher de l'aide. Puis ça dépend de notre niveau de souffrance aussi. Tu sais, on peut aller consulter des nutritionnistes, des psychologues qui sont vraiment super habilités pour travailler la relation avec le corps ou la nourriture. Mais des fois, ça peut passer par des plus petits gestes aussi. Tu sais, si on sent qu'on est un petit peu déprimé par rapport à notre corps quand on a parcouru notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, bien, on peut se désabonner de ces comptes-là, puis on peut s'abonner à des comptes qui valorisent la diversité corporelle. Tu sais, on des peut comptes faire qui font des... du bien au lieu qu'une fois qu'on ferme le téléphone, là, qu'on ait la petite boule en dedans d'anxiété. Là. Oui, c'est ça. Puis moi, je regarde mes comptes, tu sais, c'est sûr que je suis tout ce qu'on suit sur équilibre. Je trouve donc qu'il y a des belles affaires. T'sais. Fait que ça, mon algorithme est programmé aussi en fonction de ça. Puis c'est vrai. T'sais. Puis ça aussi, d'éduquer nos jeunes par rapport à ça. Là, c'est dans un autre contexte. On parlait des enfants un peu plus vieux, mais t'sais, de leur montrer qu'ils peuvent masquer ou se désabonner de certains contenus. Puis même nous-mêmes, t'sais, d'être un modèle par rapport à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. T'sais, si c'est on met toujours la meilleure photo, qu'on se met dans une certaine position, qu'on met des filtres, c'est ça. T'sais, de mettre plus des photos où on est en train de faire quelque chose pour que les gens puissent porter aussi attention aux commentaires sur ce qu'on est en train de faire. T'sais, si on met juste un selfie, ben c'est difficile de dire « Ah, t'as l'air d'avoir du plaisir dans ton sport. » Donc, toutes ces petites choses-là, c'est des petits gestes qu'on peut poser au quotidien, autant pour nous-mêmes que pour être un modèle, que pour changer la société, comment on valorise aussi la diversité corporelle. Donc, je pense que chacun, à son échelle, on peut prendre conscience de petites choses qu'on peut améliorer puis faire tranquillement changer les choses. Mais j'ai envie aussi d'envoyer le message de justement pas se culpabiliser. On voit la prévalence d'hommes et de femmes qui sont préoccupés. Il y en a là-dedans qui sont des parents, c'est sûr. Donc, de juste prendre conscience de ça un petit peu aussi, puis de ne pas s'en vouloir non plus, puis d'essayer justement de se faire soutenir pour essayer de moins transmettre à nos enfants possible ces comportements-là ou ces réflexions-là. Là. Et de normaliser. Puis en terminant, une question qui est importante pour moi, j'entends souvent les gens se culpabiliser, je regarde dans mon entourage, sur la fameuse nourriture réconfort. Mais en même temps, là, si je ressens de la tristesse au même moment où j'ai faim, c'est quand même normal, j'imagine, qu'il y ait des aliments qui nous attirent plus que d'autres. Tu sais, une journée, là, me semble, on est, je sais pas, là, déprimé. Les choses se sont pas passées comme on veut. C'est assez rare qu'on va faire comme « Ic, j'ai une rage de brocoli, là, me semble, là, ou du céleri, il serait si bon. » Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on peut accueillir qu'il y a des journées, là, ça se peut. Des chips, des patates frites, peu importe, nommez ce que vous voulez, mais c'est là, c'est aujourd'hui, c'est ici, c'est maintenant. Puis je suis pas une mauvaise personne. On mange pour différentes raisons. Fait que ça se peut qu'une journée, on mange pour réconfort, mais je pense qu'il faut être capable, par exemple, de le nommer. Tu sais, aujourd'hui, j'ai pas vraiment faim, mais j'ai le goût de manger, puis je mange parce que j'ai le goût. Ou ça peut devenir problématique si c'est toujours le cas. Tu sais, si à chaque fois que je suis triste, ma façon de un petit peu
venir geler ma tristesse puis pas de la ressentir, c'est de manger des biscuits. Bien, c'est un peu comme si je prends du Pepto-Bismol quand j'ai mal à la tête. Fait que, tu sais, d'être capable de reconnaître son émotion, mais est désagréable, cette émotion-là, mais je dois la vivre. Fait que c'est quoi, moi, mes moyens? Qu'est-ce qui peut l'aider à passer? Puis ça veut pas dire que ça va passer, tu sais, en un clin d'œil. Souvent, faut la vivre. Faut la vivre, ça va prendre le temps qu'il faut, tout ça. Fait que moi, c'est quelque chose que je travaille aussi beaucoup avec mes enfants, ça, d'être capable de nommer les émotions, de les reconnaître, parce que souvent, les parents qui vont nous contacter parce qu'ils sont inquiets par rapport au poids de leur enfant, tout ça, mais des fois, il y a quelque chose qui est à ce niveau-là. Fait que, tu sais, pour favoriser le développement d'une saine relation avec les mais reconnaître les émotions puis de manger des aliments pour la bonne raison la plupart du temps. Tu sais, comme je te dis, il peut y avoir une exception, mais ça fait quand même partie des solutions là, d'être capable d'utiliser la bonne stratégie pour venir apaiser l'émotion constante. Là. Donc, lorsque ça nous arrive, peut-être juste essayer de prendre un peu de recul et d'observer, sans se juger, mais juste observer. Puis comme tu dis, ça arrive une fois de temps en temps, mais si on se rend compte que toutes les fois où ça va moins bien, où on est anxieux, on a tendance à aller compulser ou manger vraiment beaucoup d'un aliment, puis même des fois, se rendre compte que finalement, après coup, ça ne fait pas sentir mieux. Mais là, peut-être qu'on peut aller chercher de l'aide, puis c'est pas honteux de demander de l'aide. Absolument pas. Puis, tu sais, il y a plein de belles ressources qu'on peut, plein d'organismes, tout ça. Tu sais, je pense à Annette, toi, je pense que t'en avais pas tout ça à proposer. Mais il faut aller chercher de l'aide, puis tu sais, la prise de conscience, c'est la première étape, là, tu sais. Oui. Puis en identifiant des stratégies qui vont mieux répondre aux besoins, ça risque de régler le problème plus à la source aussi. Tu sais, si on s'ennuie ou qu'on se sent triste puis qu'on mange tout seul chez nous en se sentant coupable, ça ne va pas enlever cette émotion négative-là. Peut-être que si on appelle quelqu'un pour se confier, ça va nous faire vraiment plus de bien. Ou si on sort dehors nous défouler. Fait que des fois aussi, tu sais, c'est juste de prendre conscience qu'il y a peut-être d'autres moyens qui font encore mieux répondre à ce besoin-là. Puis moi, je suis d'accord aussi, tu sais, c'est correct des fois qu'on se dise, là, j'ai envie, tu sais, la fameuse crème glacée de peine d'amour, là, qui est un peu traditionnelle, tu sais. C'est correct de se réconforter avec la nourriture. Puis quand il y a un enfant qui boit au sein ou qui nourrit dans les bras de la mère, tu sais, tu disais, ça répond à plusieurs besoins, bien, il mange, mais tu sais, il y a un réconfort. Ben oui. C'est correct que la nourriture nous réconforte. Là. Puis des fois, on l'associe aussi avec quelque chose de négatif, mais tu sais, de manger, de prendre un chocolat chaud quand on revient de dehors ou de manger des aliments qui nous font plaisir de notre enfance, ça aussi, c'est réconfortant. Puis c'est correct, tu sais, mais de varier, comme tu disais, les sources de réconfort. Je pense que c'est la meilleure manière de faire. Oui. Ce que je retiens beaucoup de notre épisode, je pense, c'est d'arriver à prendre un pas de recul, juste s'observer dans ce qu'on fait, dans notre propre relation avec la nourriture, avec notre coparent aussi, peut-être de discuter des valeurs qu'on veut mettre en place dans notre famille, avec nos enfants, par rapport à nos propres valeurs, nos propres blessures, notre lien. Mais surtout, pas se juger et ne pas hésiter à demander de l'aide parce que c'est pas déshonorant et parfois, peut-être un coup de pouce, une ou deux stratégies, ça peut changer pour les années à venir, autant pour nous que pour notre famille. C'est pas nécessairement un suivi qui va être lourd et sur le long terme d'accepter donc de demander de l'aide parce qu'on le voit, les chiffres sont frappants. Mm. On n'est pas seul à se questionner par rapport à tout ça. Merci beaucoup, mesdames. Bonjour José, merci d'être là. Salut Maggie. Dans ton livre « Rêve ta vie et ose », vraiment tu nous décris en imaginant un arbre, un peu toutes les étapes, si on veut, de notre vie pour s'amener vraiment dans une connaissance de soi. Et tu fais, je trouve, un superbe parallèle avec nos enfants, nos tout-petits qui, eux, là, ont le cœur pur, sont dans le plaisir, sont dans le moment présent. Ils ont vraiment une conscience d'eux-mêmes qui est très grande. Mais bon, en vieillissant, on le sait, la société, les moules, la pression, fait que parfois, on a tendance à s'égarer un petit peu de notre essence. Et là, dans ton premier livre, qui s'adresse aux enfants, déjà, je pense, dès l'âge de 7-8 ans avec l'accompagnement d'un parent, mais je tiens à le mentionner, qui s'adresse aussi aux adultes. Parce que si vous voulez être des modèles, justement, pour vos enfants, ça peut être intéressant pour vous de vous poser ces questions-là. Pourquoi, José, maintenant, c'est important pour toi d'écrire ce livre-là? Écoute, parce que pour moi, les enfants, là, c'est eux qui ont la réponse de demain. Présentement, comme tu dis un peu, je trouve que ça va vite. On se pose plein de questions. Puis moi, j'ai la chance de les côtoyer depuis toujours. Puis écoute, quand tu leur poses une vraie question, écoutez leur réponse. Sincèrement, quand vous ne savez même pas des fois, tu sais, comme quoi dire, quoi faire, c'est impressionnant comment qu'eux, ils sont branchés puis qu'ils peuvent répondre
à des questions, à, même à des conséquences des fois, mm-hmm. que tu dis comme, ben voyons donc, tu sais, j'aurais même pas pensé à ça. Fait que les enfants, pour moi, c'est vraiment des diamants bruts, puis c'est à nous de les polir. Fait que ça, pour moi, là, c'est vraiment, vraiment important. Et de là, l'important que si on veut les polir, ben, qu'il faut que nous aussi, on ait une belle essence. Mm-hmm. Mais justement, en tant qu'adulte, si on veut vibrer avec notre cœur d'enfant, on a souvent l'impression que c'est un parcours qui est long, qui est fastidieux, qui est complexe. Mais toi, vraiment, t'as ramené ça en quelques étapes. J'aurais tendance... Je dirais pas facile parce qu'il faut se questionner, il faut revenir sur soi, mais j'aurais tendance à dire que tu les as simplifiés. Oui, moi je voulais que dans une maison, qu'on soit capable de se parler le même langage avec des images flash ou que ça soit rapide. Exemple, quand on parle, mettons, des nuages, mettons que tu es dans ton nuage noir parce que là, tu es dans tes peurs ou tu es dans c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, ou ton nuage gris, c'est plus genre ouais, je comprends, mais. Bien, si l'enfant arrive à la maison puis qu'il est dans son nuage noir puis tu dis juste, hé, ça se peut-tu que tu sois dans ton nuage noir? On n'a pas besoin de discuter. Des fois, des mots, là, c'est trop. Tu sais, ils sont déjà dans leur tête, ils viennent de vivre quelque chose, ils ont besoin de se déposer. Alors, on a une connexion directe, parce que dans le livre, on a comme des images qui fait qu'on devient comme universel dans la maison sur notre langage, et ça nous permet comme d'avancer. Tout le monde, même un petit, peut entendre comme « Ah! » Tu sais, puis ça va être cute, parce que c'est ça qui va arriver. Là. Le petit, lui, va dire « Ah, oh, là, je suis dans mon nuage noir, là, tu sais. » Puis lui, là, ouais. C'est clair, puis... Tandis que le grand, l'ado, peut arriver à un moment donné et dire « OK, le gars, là, laisse-moi respirer, puis là, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. » Fait qu'on va, c'est ça mon but, c'est d'arriver à avoir un langage facile, qu'on va se communiquer, puis qui va faire qu'on va être en harmonie dans une maison. Ouais. Et tu le disais, ton livre, et là on le voit à l'écran, est magnifiquement illustré. Bravo d'ailleurs à l'illustratrice, ça nous donne envie de tourner les pages pour découvrir. Et tu as vraiment divisé ça, par exemple, les racines d'un arbre, donc nos fondations, le tronc, les branches, tu viens d'en parler, les nuages noirs, les nuages gris. Bref, chaque page nous propose, si on veut, une étape. Et ce que j'aime, c'est que chaque page, tu nous décris un peu où est-ce qu'on est, mais tu nous mets tout de suite en situation, tu nous proposes des exercices. Donc, c'est un livre, si on veut, qui va devenir un livre de table à café. Là, on n'est pas obligé de le dévorer, tu sais, de la couverture jusqu'à la fin en une soirée, là. Non, même que je dirais que c'est bien, comme tu dis, mettons, moi, je vois ça comme OK, aujourd'hui, on parle de, tu sais, même avant de se coucher, ou on est au salon le matin, puis on regarde ça ensemble, puis, tu sais, tes valeurs, puis ça, c'est bien important, j'ai le goût de faire une parenthèse là-dessus, tes valeurs versus même ton propre chum ou ton mari versus les enfants selon l'âge, va changer. Et je vous le dis, tout le monde, même à vous les adultes, des valeurs, on peut les changer, ça grandit avec nous. OK, on s'est fait inculper des valeurs à la base, puis il y a comme une réflexion à se faire entre ce que je me suis fait dire, j'ai traîné toute ma vie, ce que j'ai enseigné ou que je veux enseigner versus moi, là, c'est quoi qui me mène dans la vie? C'est quoi que je veux avoir comme valeur qui va faire que dans chaque branche de ma vie, je vais les respecter? Alors, tu vois, pour le même exercice, on vient comme de montrer comment que chacun, selon son âge, va le vivre autrement. Et de là, comme tu dis, dans un an, dans deux ans, on revise parce qu'on n'est pas en même place. Non, exactement. T'sais, on grandit, tu sais. Ça peut être un beau livre à consulter à la limite à chaque année ou lorsqu'on a des grands changements dans notre vie. Et pour illustrer un peu, parce que bon, j'ai eu la chance de le lire avant tout le monde, un exemple, bon, on part, comme on disait, des valeurs, des racines, de qui on est. Mais si on prend, par exemple, la branche des expériences dans l'exercice, tu nous demandes, entre autres, d'illustrer les différentes branches de notre vie. Par exemple, notre travail, nos amis, où on est. Et là, tu nous demandes de les mettre en corrélation avec nos valeurs. Donc, bref, ce qu'on fait de la page 1 jusqu'à la fin, ça nous permet, si on veut, de faire une rétrospective de qui on est puis de vraiment aller se connecter à soi-même. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça prend un certain, comme tu dis, tu sais, de prendre un recul. Tu sais, fait que, tu sais...
oui, c'est le fun à la base des fois, parce que c'est pas un livre qui est très épais, de le lire comme ça, mais après, c'est vraiment de prendre le temps de vivre les choses. Puis tu sais, tu me parlais tantôt comme, mettons, les feuilles. OK, des feuilles. Faites faire des expériences à vos enfants. Écoutez, c'est ça qui va les faire grandir. S'ils n'ont pas essayé, même vous, OK, je vous donne un exemple. Qui dit si on aime ou on n'aime pas de la percussion? Tu sais, moi, je serais très, très, très intergénération. Allez suivre un cours de percussion avec vos enfants. Allez chanter dans une chorale avec vos enfants. Allez danser avec vos enfants. Vous ne le savez pas plus que lui si on aime ou on n'aime pas. C'est en faisant des choses. Puis, tu sais, moi, un exemple concret, mettez aussi des mots. Mettez des mots sur qu'est-ce que vous faites comme action. Exemple, moi, j'avais une école de danse pendant 30 ans, fait que des enfants, j'en ai vu grandir. Et la période de l'adolescence, c'est les peines d'amour, écoutez, j'en ai vu passer. Et moi, j'avais ma fille dans le temps qui avait peut-être, je ne sais pas, écoute, assez petite pour que je la prenne puis je l'assoie sous le comptoir. Et là, je consolais les danseuses et tout ça. Puis là, je disais tout le temps, ça, là, ça s'appelle une peine d'amour. Puis je nommais pour y dire, tu vas voir, là, dans une couple de jours, là, elle va se confier. Je mettais des mots. Elle va se confier avec ses amis. Ses amis vont la consoler. Puis ça va aller mieux après. Mais imagine-toi la même situation où ce que l'enfant n'a jamais vu une peine d'amour. Et en plus, souvent, on va être dans nos maisons, ils vont voir, pensez-y deux minutes, ils vont voir la chicane des fois entre parents. Parce que dites-vous là, que ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas vu, ils sont dans des pièces très éloignées et ils entendent tout. Alors, ils entendent hein, des fois le stress aussi. Là. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Fait qu'eux, là, ils entendent. Et là, vous réglez ça pendant que vous êtes couchés. Puis eux autres, là, ils ne voient pas la solution, là. Ils n'apprennent pas la solution. C'est vrai. D'être juste être conscient. De plus en plus, si j'avais comme une petite clé à donner, c'est ça, de devenir, à partir de maintenant, conscient, de ne plus être des robots. De vous mettre à la hauteur de vos enfants. Tu sais, quand vous arrivez de travailler, puis là, tu te dis, « Ah, mon Dieu, qu'ils sont étourdissants. » C'est-tu parce que tu es étourdi dans ta tête? Ça se peut. On est tellement fatigué, des fois. Oui, mais c'est si beau, un enfant qui court partout, puis qui tu comprends? Il a joie de vivre, lui. Fait que, c'est sûr. Si tu prends la même action, pareil, tu déposes tes sacs, tu te mets à la hauteur, tu prends 2 secondes à faire un câlin de gens partant. Là. On vient de changer la dynamique de tout le monde. On n'a pas eu besoin de dire des mots. On n'a pas eu besoin de faire des affaires. Et même moi, le mot câlin, pour les plus jeunes, je vous le dis, là, parce que des fois, je vais dans les CPE. Et tu sais, quand ils ne se peuvent plus, là, ils se peuvent plus. Moi, je rouvre juste les bras puis je leur dis, t'aurais-tu besoin d'un câlin? Ouais, la proximité, c'est fort, hein? Ça règle tellement, mais tellement de problèmes. Ouais. Puis de nommer, même un poupon, OK? Un poupon, j'aurais le goût de dire, Maggie, un poupon, si tu nommes ce qu'il ressent, il va arrêter sa crise. Il y a juste besoin que tu comprennes, de savoir que quelqu'un qui le comprend. Et voilà. J'aurais tendance à dire, même nous, les adultes, hein, souvent, on a quelque chose qui ne va pas ou on est contrarié. Mais on ne va pas nommer ce qui ne va pas. Donc, l'autre personne, que ce soit nos enfants, notre conjoint, notre patron, nos amis, ils ne peuvent pas deviner si on ne le nomme pas. Donc, apprendre à être davantage conscient de nous-mêmes, à vivre des expériences, parce que je crois qu'à l'âge adulte, même des fois à l'adolescence, je ne veux pas, le moule est quand même fort. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mon Dieu, je vais avoir l'air folle si je m'en vais faire un cours de percussion puis je ne suis pas sur le rythme la moitié du temps. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tout ça, c'est très fort dans notre tête, hein, cette partie-là. Donc, ça va nous empêcher de ressentir. Ça se peut que des fois, on se dise, oh, mon Dieu, je n'étais pas à bonne place, c'est terminé pour moi. C'est correct aussi. Oui, exactement. Puis plus que tu le fais jeune, plus que tu ne t'apposes pas la question que tu es en train de me dire. Ah, moi, je ne l'ai pas fait beaucoup, je pense. Parce que c'est vrai, je te donne un exemple. Ben, on va vous donner un exemple concret, OK? Nous, on faisait du camping. Moi, mon chum, il a toujours fait comme ma fille, il la mettait dans l'action. On n'avait pas de gars, fait que lui, la fille, elle, c'est comme dans l'action. Fait que mettons, il arrivait, puis il reculait la roulotte, puis il disait, OK, il y a temps, il faut mettre ça en dessous des roues.
OK, viens, on va tourner le sort. Mais elle, là, c'est normal pour elle. Mmh. Moi, là, c'est une montagne. Tu comprends? Je ne me fais pas confiance. Tu sais, le mot confiance, là, ça vient de là. C'est quand tu es jeune, tu as confiance. Mmh. Tu l'as. Mais plus que tu... Vous, mettez-leur des étapes, mettez-leur des choses pour qu'ils fassent des expériences, puis leur confiance va monter. C'est quand on arrête de faire des expériences que là, on ne le sait pas. La peur en bas. Fait que c'est pour ça, mes feuilles, que j'ai fait des expériences, C'est super. Mais comme parents, des fois, on veut tellement les protéger qu'on ne voudrait pas qu'ils en vivent, on ne veut pas qu'il y ait de peine, mais je comprends aussi que ça leur permet de se forger dans tout ça. Puis lorsqu'ils auront peut-être une expérience plus grande ou un chagrin plus grand, bien, ils seront mieux armés, ils auront des outils dans leur sac à dos pour y faire face. Et Josée, en terminant, j'aimerais que tu nous expliques rapidement pourquoi tu as écrit ce livre-là. Tu l'as dit tantôt, fondatrice et directrice de l'école de danse Toupie Dance. Tu as côtoyé de jeunes danseurs, danseuses pendant 30 ans de ta vie. Qu'est-ce qu'ils t'ont enseigné? Pourquoi avoir besoin de partager ton expérience maintenant? Ça goûtait trop bon. C'était trop beau. On a parti des exemples concrets. On est parti des sous-sols d'église. On a fait les grandes scènes à Québec. Puis on a été représenté le Canada à Walt Disney. Wow! Qui aurait dit ça? Tu comprends? Hmm. Puis moi, là, je suis une fille qui est passionnée. J'ai passé la passion à ces jeunes-là. J'étais une ancienne patineuse. Je n'étais même pas une danseuse. Alors, moi, mon école de danse, c'était une philosophie. C'est vraiment ça que tu veux, tu le peux. Crois en toi, fonce tout droit. Et je les ai vus grandir. Le fait d'avoir 30 ans, j'ai eu la chance de les voir grandir, avoir des bébés, repartir les bébés. C'est vrai? Et de voir mes bébés aujourd'hui avoir, ils ont entre 12 et 15 ans, ces bébés-là. Écoute, eux autres, là, ils ne s'en posent pas de questions. Ils vivent pleinement, sont entourés d'amis, ils ont fait les plus vieilles ont fait la carrière de leur, c'est vraiment de leur choix qu'ils voulaient. Les bébés, je les appelle les bébés, puis ils savent, ils vont se faire appeler les bébés toute leur vie, mais quand ils ont fait leur choix du secondaire, les parents, ils m'appelaient, puis ils disaient, Josée, j'ai aucun pouvoir. C'est comme si elle rentre dans l'école, puis là, elle pose toutes ses questions, puis là, elle me dit, laisse-moi aller. Ben, c'est super! C'est moi que. Ben, c'est ça. Fait que je le sais que ça se peut. Tu comprends, Maggie? Mm-hmm. Puis j'ai pris un recul de 5 ans pour me dire comment je ferais pour donner ça à la population. Parce que c'est comme une baguette magique pour moi. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Pour aider vraiment les familles puis que le monde grandisse dans la joie. J'étais un petit peu Calinours. Bien, ça nous en prend. Puis Calinours, hein, on le sait à quel point c'est pas toujours facile. Alors, je vous le répète, le premier livre de Josée, j'ai comme l'impression que ce sera peut-être pas le dernier, Rêve ta vie. Ose, hein? Expérimente, essaie, goûte, voir ce que la vie a à t'offrir. Je pense que c'est bon vraiment pour tout le monde. Et je retiens aussi qu'on a tout intérêt comme parents à se remettre à la hauteur de nos enfants pour sentir leur vibration, leur pureté, leur magie, leur plaisir, puis goûter quotidiennement parce que c'est vrai que c'est bon. Puis parfois, dans notre quotidien, on fait juste perdre cette vue, on se déconnecte, puis on agit un peu comme des robots pour plaire, puis répondre à nos engagements aussi. Alors, je te souhaite la meilleure des chances avec ton livre, puis j'ai comme l'impression qu'on aura la chance de se reparler. Merci, Josée! Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Merci à Mélanie Magnan, alias NutriMini, à Andréanne Dufour-Bouchard, nutritionniste et chef de projet chez Équilibre. Je vous invite à aller suivre les réseaux sociaux d'Équilibre. Voyez les liens sous la publication. Ils proposent vraiment un contenu qui est pertinent et tout à fait bienveillant. Dans le segment coup de cœur, merci à Josée Drouin, autrice du livre « Rêve ta vie ». Ose, elle aussi. Retrouvez ses coordonnées sous la publication si vous souhaitez en apprendre davantage sur son univers et acheter son livre. Merci tout particulier à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706. Je m'appelle Maggie Bélanger et vous le savez, chaque semaine, ça me fait plaisir de vous accompagner afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!